Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il est bien matinal là les amis. Et vous l'avez vu au titre, c'est le début les potes. On vous a caché ça depuis longtemps parce que, en vrai de vrai on voulait le teaser etc. Mais déjà, confinement, on savait pas si ça allait retomber, du coup c'était difficile de prendre une décision pour les vacances. Ensuite, bah organisation etc etc etc, on était dans le flou absolu. Mais c'est bon les amis, c'est le grand jour. Et vous le voyez à ma voix, vous le voyez à ma gueule, je suis un peu malade. Mais vous inquiétez pas si je parle du nez, c'est juste que Michou cet enfoiré, il m'a refilé sa crève cette semaine quand il est venu chez nous. Mais on a fait des tests, hein, on a fait des tests de Covid etc. Donc ouais. Toute la team est clean les amis. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau voyage, parce qu'en vrai nous on l'a tellement attendu, on savait tellement pas si ça allait se faire. Que bah en vrai on est méga hype les gars. La et en plus. La bonne nouvelle c'est que Tiff vient. C'est pas vrai. Pas pour ce coup-ci. Non c'est pas vrai. En vrai ils ont failli venir. Ouais. Ils ont failli venir les deux toutous mais non ils viennent pas. Mais ouais j'allais dire la surprise, c'est pas vraiment une surprise mais le truc de fou c'est qu'apparemment c'est un chalet de malade mental. Du coup on va aller retrouver tous les croutons et puis on ira visiter le chalet en fait. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. The body. Code créateur Valouz, les gars. T'es le premier rush du vlog. Sérieux? T'es le premier rush du vlog. Et numéro 1, mon les ami. Gars, on se retrouve en Croatie. Ça va? Ça va, ça va. J'ai hâte d'aller en Croatie là. Ah, franchement, ça va être bien la Croatie. J'ai trop froid, je regrette trop. Regardez ma dégaine, les gars. Il fait moins 2 degrés. Il fait moins 2 degrés. Ça, ah oui, j'avoue. Allez, on y va. Bouzy, y'a pas quoi là? Non, je crois pas, je l'ai pas vu. Team retardataire, quoi. Classique, hein. Attends, on est là, la team reine. On est là. Qui est là? Il est là. Ça va bien? Bah ça va et toi? Bah ouais ça va. T'as mis ton petit bonnet Solari? Ouais putain ça fait bizarre de se lever aussitôt. Ah ouais, ça c'est pas la vie d'un youtubeur. Hein. Ah ouais. En plus on a vraiment pas de chance quand on part en vacances. Ouais, on a pas putain, de chance. Putain, fait chier quoi. Parce que tu n'as encore tous ces racailles là. Toutes ces racailles. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez mon point de vue les gars. Afin de faciliter les opérations de contrôle à venir, merci de préparer vos billets. Ça y est, je vais être de nouveau Lucky Luke, frère. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si un jacuzzi là-bas. Ah ouais, j'avoue. N'hésitez pas. Vous savez pas, vous? Moi, je me suis pas spoil, je sais rien du tout. Vous voulez que je vous dise un truc? Moi, je connais pas, mais hier, j'ai fait une map Fortnite qui représentait le chalet. Ouais. J'ai fait un cache-cache dedans avec les abonnés. Ah ouais? Du coup, je connais un petit peu, mais elle était pas refaite à perfection. C'est Vertigo qui l'avait fait avec les photos et tout. Okay. Et du coup, le chalet, il a l'air insane. Tu veux que je te dise un truc? Il y a un ascenseur. Ah, il y a un ascenseur. Ouais, t'as tout dit déjà là-haut. Bah non, frère, un ascenseur, gros. Ah, tu vas pas dormir dans un ascenseur, gros. Bah, bien sûr que si. Non, mais ça veut tout dire, ça. Oh, oh 24 heures dans un ascenseur. Bah, pas 24, ça fait chier de niquer. Ouais, j'avoue. Une nuit dans l'ascenseur. Une nuit dans l'ascenseur. J'avoue. 200 000 pouces. D'ailleurs les amis, si vous avez des idées de trucs à la con qu'on peut faire, que ce soit Bouzy, Nox, etc, n'hésitez pas dans les commentaires. Et les gars, on a une conve avec la team Crouton pour le voyage. Il y a Dobby qui dit les rennais tous dans le train. Donc nous on est tous dans le train, on est là. Inox il est là. Il y a un problème là non? Inox il est là. Dis-toi que nous on est dans le train, Inox il est là dans son lit. Il va pas être à l'heure. Je sais pas. On vient d'arriver à Gare de Lyon. On doit attendre les autres loustiques. Et en attendant, bah... C'est à quoi? Tu connais? Je l'ai même pas. Il a l'air méga bon en tout cas. Il a l'air chaud en fait. C'est au jambon, c'est chaud. Ouais, c'est au jambon et aux tomates. Non, mais c'est national. Non? Mais il y a des places. Vive la bouffe. Il est là. T'arrives en avance de ouf du coup? Je viens d'arriver. Bah ouais, t'arrives en avance de ouf non? Je vois pas. Mais non! Ça mais va. Non. Mec, je suis à l'heure, gros. Ça va ou quoi, gros? Je suis pas le dernier. Les gars, regardez. Quand tu vois des mecs... Oh, t'as vu, gros. Regardez. Mec, la dernière fois qu'on a fait un vlog vacances... La Corse, je te l'avais dit. C'est ça. Il enlève la mariée. Allez, là. La vacances, je te l'avais dit. Les statiques, plus, ils sont là. Mis, j'ai pensé à toi. Sérieux? Je me suis dit, je suis obligé de les mettre. Allez, putain, il l'a fait, quoi. Et par contre, les gars, vous savez que j'ai aucune tenue de neige. T'es dans la D, frère. Mec, j'ai aucune tenue. T'es dans la D, hein. On va dormir dans la neige. Pris, Arrête. On dort dans un igloo. Pourquoi t'as pas pris tes affaires du Canada? Bah parce que je sais pas. Ok, donc lui, deuxième jour, même pas demain, on va acheter des vêtements. J'ai que des sweats, j'ai pas de gants. Comme Inox l'année dernière. J'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, j'ai rien. T'as pas, j'ai pas de bonnet non plus. J'ai pas de gants. Les gars, regardez toutes les valises qu'on a. Et on a l'impression qu'on part
On part 20 jours. Pourtant, on part une semaine. Hein. J'avoue, on part une semaine, gros. Ouais, je bolosse. Ouais, mon gars. C'est reparti, gros, pour de nouvelles aventures. On est là, mon gars. J'ai pris un petit cadeau pour toi en plus. Bah, toi-même, tu sais ce que c'est. Ah oui, mais non, frère. Tu vas voir. Quoi ? Ici, j'ai un cadeau. Ah ouais ? Non. Quel gamin. T'es toujours en retard, en tout cas. Hein. Non, elle est en race, frère. Mais frère, c'est le dernier arrivé. À l'avance. Hein. T'as changé de couleur ? Mais gros, cette année, j'ai changé de couleur, gros. T'es là, t'es violet cette année, mon gros. Ah putain. Mec, j'ai hâte de voir le soleil. Hein. Regarde la valise de Mich. Mec, c'est. Là, on est bien, là, les amis. Alors là, on est bien. On doit sortir de la gare. Attends, et mais... à droite. Et là, c'est là. Tu viens de me spoil de... Boruto. Non mais gros, mais moi je suis sur One Piece, gros, je suis un Luffy, mais je suis Mugiwara là. Mais non, je sais même pas, j'ai entendu Naruto, Boruto, gros, non, je me suis dit. C'est Doc qui veut me convaincre à regarder le Boruto, mais... En vrai, moi je me suis pensé parce que j'avais rien d'autre à regarder, et épisode 180, ça commence enfin à se réveiller, c'est trop bien. Épisode 180, gros. Ouais, ouais. Genre tu l'as regardé 120. Ça fait 180 épisodes, gros. Pour que ça soit bien. 20 minutes par épisode. Ouais. Ah ouais. Mais maintenant, Vanu, tu m'appelles Mugiwara maintenant. Mugiwara. Mugiwara. C'est mon prénom. Vas-y, Mugiwara. C'est vous qui pilotez? Ouais. J'aurais bien aimé. Hein. Ah ouais, je te jure, j'aurais trop aimé. C'est Doc et Dobby qui pilote. Ah ok. J'aurais trop kiffé. Moi je suis devant. Et gros, sur toutes les vacances, on attend toujours un truc de location. Mec, hein, c'est au Canada. La dernière fois, je m'étais pris de cactus avec Michou. Mais dans un van, c'est 100 000 fois mieux d'être à l'arrière. C'est 100 000 fois mieux d'être devant, frère. T'as tout le panneau du paysage. Gros, à l'arrière, il y a l'ambiance, ouais. C'est éclaté, gros, c'est éclaté. Tu sais qu'à l'avant, c'est pour les vieux, normalement. Bah ouais. À l'avant, c'est pour les vieux. L'avant, c'est les darons. C'est pour ça que moi, je vais en avant. Je suis vieux, je suis vieux. Si t'as bah oui, quoi. Genre en mode, d'habitude, quand on arrive, c'est genre Battle Royale pour la chambre. Bah oui, c'est ça vous dit pas, on met un petit jeu en place. Les gars, j'ai un putain de jeu. Premier au dernier. Genre celui qui est fini premier, prend sa chambre. Non, moi, j'ai un jeu qui est encore plus stylé. Mais à chaque fois, je me fais niquer. Les gars, j'ai un jeu qui est encore plus stylé. Pas de Battle Royale, tu vois. Et tu sais, c'est quoi le jeu? Non, c'est quoi le jeu? Une fois que tu rentres dans la case, t'as tes valises. Si tu visites une chambre, tu peux décider de poser ta valise, mais si tu la poses et que t'as pas vu les autres, bah tu peux pas changer, tu vois. Tout le monde va courir, c'est qu'on fait d'habitude, ouais. Ouais, mais en gros, ça veut dire que. On se pose à l'entrée. Si t'en trouves une stylée. Ah oui, on fait. Ah oui, je sais. On fait Deli Delo. Celui qui est tout seul, il part en premier. C'est quoi Deli Delo? Ouais, genre, non, mais genre. Le mec qui. Par exemple, on dit tous un chiffre. Jusqu'au dernier. Celui qui dit un chiffre différent entre 3 et 4. On suit celui qui gagne pour voir quelle chambre il va prendre. Ah, vas-y. Ah ouais. Ça peut être trop drôle. Ouais, mais du coup, on va devoir le suivre pour qu'il visite toutes les chambres. Bah, comme ça, on va voir toutes les chambres. Et après, du premier au dernier, on saura combien de chambres il y a de bien. Du coup, en fait, on fait la visite tous ensemble. Ouais, voilà. Sans dire, je prends cette chambre. On pose les valises dans le salon, tu vois. On prend pas de chambre, il y a personne qui prend de chambre. Et après, on fait un jeu et on prend les chambres. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais avoir la meilleure chambre. Je fais quoi, Inox? Mais gros, je lui ai dit tout à l'heure. Ça commence, gros. Mais gros, tu casses les couilles. C'est gelé, gros. Il a trop de poids. Ah, ça me tombe dans le dos. Ça tombe dans le dos. Mais gros, tu sais que tout à l'heure, t'étais dans le truc. Je lui dis la blague de la boule de neige dans le cou, je vais pas bien la prendre. Ah. Et il me le fait. Mais tu sais que j'ai plus. Tu sais que je pense que j'ai plus mal que toi là. Mais moi, non, là c'est en train de fondre dans mon dos là. Ah. Là dans mon dos ça coule. Toi t'as l'air d'aller bien. Ouais, mais dans mon dos ça coule. Viens, on fait de la patinoire. Fais un dérapage. Dérapage? Ouais. Dérapage contrôlé, gros. Non, mais ça c'est. Regarde, les vacances elles viennent de commencer. Ça. Sur 5 mètres. Est-ce que tu veux essayer de pécho pour les vacances? Ah, c'est pas essayé, c'est réussi. J'ai déjà contacté 3-4, c'est bon, ça vient au chalet demain. 3 quoi? Hein? Attends quoi? J'ai contacté des livreurs pour les. Des livreuses. Des livreuses. C'est quelle meuf qui vient? Ça commence déjà les dingueries là. Ah, Yakinoa, un chat qui noir. Oh là là! Oh, comment il est beau! Oh! Eh, la team Crouton elle s'agrandit trop, hein. Maintenant il nous faut deux véhicules tout le temps quoi. Bah, et aussi. Il a dit en vidéo qu'il avait élevé Aurore. Ah ouais, j'avoue. Les gars, je vous l'ai pas dit. Mais Bah Aurore, elle est là d'habitude. Aurore, c'est notre photographe. Ouais. Mais on accueille une nouvelle personne là pour une le voyage. Une nouvelle personne. C'est Lucas, les gars, qui fait le montage. M'élevé. Il monte cette vidéo là. J'avoue, salut Lucas. Il est en train de monter la vidéo tranquille dans le chalet. Ouais, voilà. c'est ça, hein, ça travaille quoi. Du coup, bah on va pouvoir lui mettre la misère quoi. Petit bisoutage de la team Crouton. Hein. Mec, je frappe. Arrête, j'ai vite mon manteau. Le plan, il est incroyable. Ça va les gars? On n'a pas mangé depuis ce matin. Et en fait, il y avait un McDo dans le coin. On voulait se taper un McDo, sauf que bah c'est, tu peux pas commander sauf sur Uber Eats. Du coup, on va Uber Eats dans le van. Dans le van, gros. C'est trop chiant. On est quand même en train de commander McDo sur un parking. Et le mec, il va venir là.
J'avoue. Donc le McDo est là-bas. Eh, hey, il a changé le livreur McDonald's. 20 euros. Ah merde, c'est filmé. 20 euros. Mais non, en fait, c'est à côté. Mais il y a un stand livreur Uber Eats. Et en gros, il y avait deux livreurs. Il y avait trois sacs qui attendaient. Du coup, je demande au mec du McDo. Je dis, vous savez, ils sont à quel nom les sacs? Et il me demandait un numéro de commande. Et après, il a regardé le nom. C'était notre commande. Et je dis, bah, je peux la prendre. Mais d'ailleurs, faut que j'appelle le livreur. Je lui dis, c'est bon. Ah oui, ok. Il a fait le table de livreur. On distribue ou pas là, les gars? Un original 280. Ça, c'est Dobby. C'est moi. Là, il y a les boissons. Signature, c'est Michou. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était toi. Non, j'ai pris chicken avocado. Chicken avocado. Tu sais que je peux pas manger les sandwichs au poulet. Hein. Chicken avocado. Oh là là. Attention, coup. Oh, attention. International. 4 chicken nuggets. Rigolez pas. C'est pas le Big Mac encore. Bah en vrai classique. Classique les gars. Chicken avocado. Non, c'est du coca. Qui a pris un coca? Il y a des serviettes. Ouais. En vrai les gars, je kiffe à mort le chicken avocado. Bah lui il a pas mal d'avocats, j'ai l'impression. Ouais, il y en a pas mal. Dis donc, il y a personne qui le saura. Hein? Il y a personne qui le saura. Vas-y, envoie une nuggets. Bah on t'en a pris un. Ouais. Je vais goûter de nouveaux signatures. Regarde-le lui. Hey, jette la nourriture par la fenêtre, ma petite merde. Oh mais putain regarde, regarde à droite. Oh the fuck, mais par contre freine gros, s'il te plaît. Mais oh, ça vient de glisser un peu. Mais oh non. Mais attends, c'est quoi ce garage? Mais ouais, je le garage c'est une grotte gros. C'est une grotte frère. Tu as vraiment le nombre de voitures qu'on peut garer. Mais qu'on rentre dans le monde. What? Tu vas chier. Quoi? Alors attendez, attendez. Pronostic, combien de mètres carrés le bazar? Oh. Ah ouais. Ah mais c'est trop beau. Oh mais il est gigantesque le garage. Mais le garage il est gigantesque, il est beau. Oui, j'avoue, il est beau, par il est design. Contre, attendez, on va mettre les choses au clair. Qui connaît le chalet? Personne. Enfin, si, moi je le connais. Toi, tu le connais, ouais. Et personne d'autre? Moi, je le connais parce que j'ai fait une map Fortnite qui représente le chalet, mais bon, c'était map Fortnite, tu vois. Ok. Ah, t'as vu une map qui représente le chalet? En fait, en gros, hier, j'ai fait avec des abonnés une map cache-cache Fortnite qui sortira lundi sur ma chaîne secondaire. Ok. Donc, voilà. Toi, tu connais un peu. Je connais un peu. Et Dobby connaît. Ouais. Ok. Oh là là! La galère, mais. Eh, c'est le club mais. Quoi? C'est le club mais. Et la galère, mais. Il y a l'accueil et tout. Il y a un accueil et tout. Eh, faut pas avoir le vertige, hein. T'as fait marche arrière, du coup? Ouais, je m'arrête. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, je suis négatif au positif. Je suis négatif au Covid, mais positif à votre charme. Il arrive en fait, et t'as dit que t'allais draguer, hein, après. T'es pas un mytho. Écoutez. Gros, ça, c'est un beeper. Mais oui. Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur. Quel bail! Hey les gars, ce qu'on a dit, c'est on regarde les chambres et tout, et après on monte en haut, on fait le jeu et voilà. C'est ça qui fait ça. Wouah! Eh, j'ai dit. On est à l'hôtel! What? Mais on est à l'hôtel! Oh la vache! Par contre, mec, c'est un jacuzzi! Oh la vache! Eh, on est au Club Med, ma gueule! Y'a un jacuzzi, gros! Y'a un jacuzzi là! Y'a un jacuzzi! Regarde-moi cette vue, frère! Ah non, ok, le bail! Regarde-moi cette vue, frérot! Y'a un rocher, gros! Y'a un rocher, il a dit regarde-moi cette vue! Gros, à côté du rocher! Tu le rocher, gueule, faut lui faire un ami au rocher! Viens, le rocher, on lui donne un nom! Il s'appelle Pierre! Vous avez vu le step-up, les gars? On a un cadreur! Le rocher, on l'appelle Pierre! Mais un cadreur, gros! T'as ouvert ma gueule! Laisse-moi! Comment ça? Mais attends! Il est où là? Y'a vraiment un ascenseur en plus, c'est pas une blague! What? Mais je vais regarder One Piece en énorme gros. Le film va être à côté de moi gros. Oh, attends, tu penses qu'on peut regarder One Piece? C'est pour ça que je te dis ça. Et imagine-toi la scène. Le cache-cache, je rentre au cinéma, on dira attends, je vais au salon, je prends l'ascenseur. Et ça, ça a évolué là, tu me dans, dans le cinéma, je vais me taper des sales films de boules. Hein? La huisse. Ah arrêtez les enfants là, c'était la visite là. Pourquoi tu mets des doigts dans le cul là? Balance réflexe. Oh, oh. Mais frère, tu m'as fait peur, c'est lourd quand même. Mais mec, il y a une vraie salle de sport hein. Oh, what? Oh. Une piscine. Mais wesh, quel bail. Vous dites, c'est pour toi ça. Faites attention Louis. Attends, les potes. C'est un jacuzzi, wesh. Hammam, sauna ici. Hammam et sauna. Bah, poussez pas. Mais Raouz, Raouz, le cocktail. Ouais. Mais il est malade.
y a la concierge qui est en train de regarder comment. Mais c'est un mal. C'est un mal. Ah bah oui, frère. T'as tes chaussures là. Non, mais wesh, t'en ai battu les couilles. Non, arrête. Mais gros, elle est trop bonne. Mais gros, c'est incroyable. Elle est ultra chaude. Elle est chaude là. Elle est trop chaude. Elle est trop bien. Elle a l'air bonne. Ouais. Elle est trop bonne. Regarde là-bas, il y a quoi et tout, frère. Il y a quelqu'un qui peut lui ramener un peignoir ou pas dans une. Gros, il y a une sorte de douche, gros, mais c'est. En fait, c'est ça la douche. Attends, je vois pas. Eh, c'est quoi là-bas? Mec, c'est pour prendre des douches communes. Non, tu te mets là. Et tu prends ta douche devant des gens. On peut pas le vu. De quoi? La vue de même, c'était trop dard. Par contre, la piscine est un petit peu petite. Hein. Ouais, mais c'est incroyable. Eh hey, mais gros, c'est non, troll. Mais... Non mais la piscine... What? Je préviens, il y a en train de troll. Hein? Elle s'est ouverte tout seul la porte. Mais moi, ouais, les gars, comment ça va? Toi, t'es... En fait, je suis dans la merde là. J'ai tout mouillé. Et quoi, j'avais trop envie de tester. Je me suis dit, est-ce que c'est froid ou c'est chaud? Quoi? C'est quoi? Il y a un lit pour se faire masser. Non, là, c'est trop. Mais c'est un vrai truc pour ça. Mais en vrai de vrai, je vais te dire un truc. Mec, tu dois. Je vous ai dit que j'avais fait un tournage Fortnite dans cette map là. Elle ressemble de ouf, Verti, tu t'es balade. Hein. C'est exactement pareil. Je vais ken ici là, ça va être incroyable. Pardon? Quoi? Quoi? Ah mais c'est vrai, c'est ta première fois bientôt. Hein? Oh! C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit là, oui? Et pendant un jour, on va pas le faire dans les vlogs parce qu'il vient avec sa meuf. On lui a autorisé un jour. Et par contre, pour le cache-cache... T'as rentré une vie, frérot. Et par contre, pour le cache-cache... Ça va chambouler, gros. Mec, je sais pas c'est quoi, mais... Et le cache-cache, ça va être incroyable. Hein. Le cache-cache, il sera quand, son cache-cache? Ça sera normalement dimanche. Dédicace à toi, Lucas, qui est ici, pour le montage qui durera... 45 minutes, 1 heure. On arrive pour l'ascenseur. On arrive en ascenseur. Bien évidemment, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais merci aux produits laitiers qui nous accompagnent. Et merci les produits laitiers. Et merci les produits laitiers. Je suis dépendant de son lait. Mais par contre, l'ascenseur pour un étage, c'est un peu abusé. Mais gros, même dans l'ascenseur, c'est du bois, frère. Par contre, t'as pas froid là parce que j'ai chaud. J'ai trop froid là. T'as froid là? Ouais, là j'ai froid là. Mais par contre, on est d'accord, les gars, c'est masterclass là pour le moment, le chalet. Mais mec, c'est pas un chalet là. C'est... Mais gros, moi je veux rester toute ma vie ici. Non, c'est du troll. Non, c'est du troll. Mais ça, c'est le salon. Mais tu vas dans la cuisine, va dans le frigo. Et va ouvrir le frigo. Moi, je kiffe, c'est l'ambiance ça, avec les lumières. Non mais c'est là frigo, t'inquiète, c'est là. Franchement, c'est mon ressenti là. Ouais. Seulement 5 heures de route pour ça. J'ai le seum. J'aurais pu aller encore plus loin, gros, pour ça. J'aurais pu traverser le monde. Là, ça y est, là en fait, là c'est tout ce que je recherchais. Mais mec, je savais même pas que ça existait un bail comme ça. Je pense que c'est encore au-dessus mec, même. J'ai jamais vu aussi spacieux de ma vie, je crois. Ah, mais ouais. Et merci les produits laitiers. Ah ouais, j'avoue, et merci. Ah ouais, okay. Oh, il y a du bon fromage. Mais attends, mais le frigo. Les étiquettes pour savoir. Bon, je vais dans ma chambre. Hein. En plus, on est dans une bonne zone où là, il y a du bon fromage vers ici. Bah, c'est pour ça que vous avez tous les fromages ici, en fait. Ah, c'est tous les fromages ici. Mais attends, mais je me fais écraser par la porte, gros. Ah ouais, c'est toi qui la pousse. Oui, c'est moi. Vous avez pas vu le truc le plus fou d'ici, les gars? Attends, mais il a l'air lourd. Regarde, t'es là. Attends, mais il y a encore un étage. Là-haut, gros. Boîte de nuit privative. Juste pour nous. Je la prends. Il y a quoi? Je sais pas. Vas-y, viens, attends. Oh, mais attends, mais quel bail, mais on est où là? Mais frère, mais attends, mais. Putain. Là, tu dors là, t'es le boss. Hein. Non, mais j'ai fait un lit encore mieux en bas, regarde là-bas. Parce que vous y allez. Ouais, dans un étage. Oh, mais si, par contre, c'est incroyable. Ah, mais attends, mais elle fait combien de mètres carrés cette putain de chambre? Mais attends, mais regarde. Oh. Mais c'est incroyable. Oh, comment c'est. Mais ici tu fais des. Et ici tu fais tes. Tu fais tes meilleures soirées pyjama. Il y a une baignoire. Je la prends. Non, mais gros, mais le cache-cache. C'est ma chambre. Moi je le dis, le cache-cache ça va être n'importe quoi. Toutes les lumières éteintes. Il y a une baignoire. Elle est où? Elle est là. Là-bas, gros. On la voit pas, elle est cachée. Elle est là. Non, l'autre côté, l'autre côté, gros. Ouais, tes meilleurs bains ici. Mais gros, mais ça c'est ma chambre. En vrai de vrai, ils vont rien comprendre de la visite tellement il y a des chambres de partout, des salles de partout. Mais vous allez apprendre à connaître la villa, enfin le chalet au fur et à mesure. Mais mec, regarde comment on l'a vu sur le salon, frère. Alors truc de fou, les gars, un truc de fou. Moment satisfaction. Oh. 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 Ouais, c'est stylé. Oh, c'est trop bien. C'est coucou, on va jamais voir. Quoi, ça. On va jamais. Gars, ça aurait pu être le panier de Doudous. Les gars, il y a une pièce secrète. Il y a une pièce secrète. À 300 000 pouces bleus sur la vidéo, on l'ouvre. En vrai, on fait le jeu pour les chambres ou pas? Ouais, on fait le jeu pour les chambres. Mais c'est toutes les mêmes, non? Non, il y a la chambre du haut, il y a une chambre plus grande. Mais franchement, c'est vraiment un vrai bail. Hein. Mec, il est déjà chez vous. C'est déjà la casa. C'est un vrai? Non, pas ça. Mais arrête! Il est déjà chez lui. C'est quoi la chambre? J'avoue, il nous en dira. La chambre en haut.
On dirait le boss, tu sais, genre en mode bienvenue chez moi. Ouais, va la voir. Mec, regarde comment elle a flow, celle en haut. Eh, franchement, les gars, quel bail. Ah oui, c'est la chambre d'escalier. C'est la chambre de Dobby, j'avoue, sous l'escalier. La chambre d'Harry Potter. Eh les gars, je suis désolé, c'est fouillé de ouf notre visite, mais en vrai, il y a trop de trucs. Ça me fait penser au Canada, gros. Putain, j'avoue, on voit R en plus. Hein. Je kiffe trop cette ambiance, c'est un peu vraiment bois et tout. Ah ouais, ils ont pas les mêmes noms. Eh, mais chaque chambre a un nom, hein. Ah ouais. Charvin. Allez, où la lumière? Oh oui, ça se voit qu'elle est plus grande. Ouh. Oh. Attends, la douche. Bah non, classique, hein. Mais quel... Quel bail, ça c'est une vraie chambre d'hôtel, tu vois. T'as, tu non, tu prends une chambre d'hôtel, t'as ça, t'es refait. Hein. Moi je préfère. Jamais t'as ça dans un. C'est pas ma ouais, j'avoue, 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 j'avoue. T'as jamais un truc avec un charme comme ça. J'avoue. Oh. Aiguille. Aiguille. La chambre aiguille, ça m'a l'air pas dégueu. Il y a une baignoire. Très stylée. Ouais. Mais je vais t'expliquer le problème de la chambre aiguille. C'est que t'as comment. Eh, un vis-à-vis. C'est la masterclass. T'as un vis-à-vis sur la route. Ah. C'est la meilleure. Du coup, pas ouf. Ouais. En plus, t'as vu celle d'en haut comment elle c'est la meilleure, moi je vais celle d'en haut. Moi je vais à celle d'en haut, elle est trop d'art. T'as là, elle est comment aiguille là? Mais attends, mais il y a encore des trucs là. Mais... Mais en vrai, oh, je suis gros, je suis perdu, frère. Mec, j'ai le tourni carrément. On est en train de visiter des trucs, je sais plus ce qu'on visite, gros. Moi la du première. Coup, qui est-ce qui prend quoi, loulou là? Bah, on va faire le jeu. Moi la première qu'on a vue, c'est. Bah, de toute façon, moi je pense que je vais dormir dans le cinéma. Mais mec, en vrai, tu peux dormir n'importe où. C'est la vie de rêve qu'on vit là. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Tu peux le faire, mon gros. C'est la vie de rêve. Mec, c'est incroyable! Faut se lâcher, ça fait plaisir! Wouh! Ouais! En vrai, il est pas mal. Wouh! Wouh! Gros! Gros, regarde! Retourne-toi, Mich! En vrai, on le voyait pas comme ça. Là, on rigole, mais en vrai de vrai, on le voyait pas comme ça. Mec, on a une chance de fou, gros. Mais putain, mais regardez-moi le bazar, quoi! Attention, la cerise sur le gâteau! Ah, tu veux la vraie cerise sur le gâteau ou pas? Vas-y, ouais. Dis. En gros, j'ai une application sur mon téléphone du coup installée. Ouais. Il y a 4 pièces en fait différentes et tu peux mettre de la musique dans toute la maison. Oh. Et à différents endroits de la maison comme tu veux. Hein. Oh. Qui voilà, fais une petite référence au Canada si tu vois ce que je veux dire. Tu sais de quoi je parle? Non. Si, si. Tiens. Si, la première fois qu'on a ouvert allez, jacuzzi. Ok. Tu vas regretter mon rêve par contre. Qui voilà? Non, il a fait la référence au Canada la première fois qu'il a ouvert le jacuzzi, il a mis sa tête dedans. On est bien là, la piscine. Les gars, cette photo va être iconique. Max, vous êtes prêts? Oui. Ravioli. 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 C'est quoi au Canada? Whisky. Ah. Mais t'es sérieux? Vas-y, parfait. C'est bon? J'en ai fait. Merci. Et on va tous là. Bon, les amis, déjà, qui veut la chambre du haut là? Moi. Moi. Ok, bah vu que vous êtes que deux, faites. Faites un pied. Ah, vas-y, bah vas-y. Hein. Eh, Pierre Feuille, je suis éclaté au va sol. Va voir, va voir, va voir. Allez, Pierre Feuille, ciseaux. La baignoire, je suis éclaté à ça. Et alors, c'est un jeu de chance. Pierre Feuille, ciseaux, Bouzy contre Inox Tag en un seul point. C'est sûr que j'ai la pire chambre. Pierre Feuille, ciseaux, je suis éclaté. Allez, gros. Tu vas peut-être gagner. C'est eux deux. Vas-y, c'est parti. Une manche. Une manche. Une manche. Une seule manche, les gars. Une seule manche. Est-ce que vous êtes prêts? Pierre Feuille, ciseaux. Yes! Yes! Ça c'est le Mugiwala gros, c'est comme ça, c'est la pose du gagnant mon gars! La pose du vainqueur! Mais tous les noobs ils font Pierre normalement, mais putain merde! Bien joué! Bien joué Inox, bien allez, joué! Elle est belle! comment on joue pour les autres chambres du coup? Qui veut la première chambre qu'on a visitée? Moi je l'avais aussi! Ok bah du coup on fait le jeu de en haut en bas! Deli Delo, celui qui est tout seul il a gagné la chambre! Ah là, Deli Delo! C'est lui qui a gagné la chambre! Oh, on a le seum, y'a il sait même pas c'est laquelle qu'il voulait. Déjà le carnage, on sait même pas de quelle chambre on parle en fait, c'est tellement y'en a. Attends, on va voir de laquelle il parle parce qu'il parle peut-être pas de la même. Mais gros, c'est la meilleure. Chaton, elle est cool celle-là. Bah, c'est pas nous. Bah, j'ai perdu. Non mais okay. C'est pas grave. Ok, viens, on se met sur la chambre suivante et on... C'est notre chambre ça. Je sais pas, je préfère laquelle. Bah non, moi c'est celle-là que je... C'est toi tu veux celle-là? Je te l'offre. Fais voir l'autre. Celle-là, mais... elle ressemble à celle-là. On joue pour celle-là les gars. Celle-là, ah, c'est, attends, la même. C'est la même. Mais, ça... mais déjà, ah ouais, même le nom il est moche, elle s'appelle Sulens. Mais gros, la lumière elle marche même pas. Mais... C'est tactile. Ah, c'est tactile. C'est nul. Oh si, elle est stylée. C'est la même. Okay. C'est la même. C'est la même. On joue pour celle-là, qui la joue? Moi. Ok. Moi je joue pour celle-là. Garde un peu, on pourra se faire ça. C'est chez toi ça? Non, 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 c'est ça. Bah, vas-y, Bouzy, c'est toi et moi. Val, Bouzy, okay. Vous jouez pour vas-y, elle. Attends, 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 joue pour celle à côté. Moi et Dobby. Attends, mais là, t'as raison. Attends, Dobby, tu joues pas pour celle-là. Pierre, feuille, ciseaux. Oh là.
Mais en vrai, il va y avoir du coin. Balouzy perd tout. Oh le bâtard. C'est la chambre de Bouzy. Attends, moi et Dobby, on joue pour l'autre. Je joue aussi. Putain, j'ai trop le seum du coup. Ok, vous jouez pour cette chambre, les amis, c'est parti. Là, c'est celle que je veux à tout prix. Est-ce que vous êtes prêts? Après ça. Are you ready? Après ça, les chambres, elles sont moins bien. Pierre, feuille, ciseaux. Allez dégagez, c'est ma chambre, allez ça dégage. Allez dégage. Bah du coup voici ma chambre les gars. On va aller s'installer. En vrai, on est en train de se disputer pour des chambres, mes frères, mais quel bail. Et tout ça c'est grâce à vous hein putain. Et du coup il me semble que moi ma chambre elle donne sur celle de Dobby. Ah ouais Dobby il est là. Ouais Dobby il est là. Bon, où sont les loustiques là? Y'a où Inox? C'est où le garage d'ailleurs? Mais attends, mais il est dans le jacuzzi? Mais non! Mais t'as pas perdu de temps, Ti! Ah non? Ouais! T'es là, on est là! On est là, Ti! Mec, je sais que je suis vraiment à poil. T'es de plus en plus dévergondé avec nous, hein! Pourquoi? Mais gros, il se met tout nu, frère! Mais il se met tout nu! Bah, ça fait quoi? Mais arrêtez de me filmer là! Arrête! Ça va ou quoi, les beaux gosses? Ça va, tranquille? Au calme! Mec, mais regarde cette ambiance, on dirait on est dans les nuages! Eh, Bouzy! Tu sais que j'ai jamais fait ça de ma vie! Objectif Super Saiyan, là! Ouais, bon, cette semaine, ouais, sport. Mais ça veut dire que je vais faire du sport avec ça, wesh. Oh putain. Où sa mère? Le matin, gros, vu sur la montagne. Ouais. Bon, là, c'est moi, wesh. Tu sais que c'est en vrai, c'est pas mal. Mais gros, mais rentre chez toi. T'es bon? Je vais dire, je me trouve comme ça. C'est fou, allez, viens avec moi. Viens là. Casse-toi. Viens là. C'est moi ce petit cul là. Bonsoir, Tim Crouton. Ah, mais les cieux, ils ont. Oh là là. Mais je croyais qu'ils étaient gris. Frère, mais quel bail. Ils étaient gris quand on est arrivé, les cieux. Get comment c'est emballé mon gars. Tu dis ouais y'a que des affaires et mec, tout. Je vais pouvoir... Je vais pouvoir te mettre des déculottés mec, là. Mec je veux la même salle de cinéma chez qui... moi. Y'a un mec qui piquait ma valise là, il se disait oh putain mais avec des sacs et tout. Le oh, petit bébé, ouais. Il a emballé la console. Oh lolo. Et tu sais que ça pèse lourd de ouf. Mec on dirait une tour de PC, je l'ai jamais vu en vrai. Ah ouais. J'avoue elle est belle hein. Je l'ai démarré qu'une fois pour installer FIFA. Mec. Mais attends mais Mich, je sais pas si tu te rends compte frère, regarde où on est là. Mais gros, ça a aucun sens. Hein. Attends je vais. Là on vit vraiment la Guette-moi ça. Là clairement y'a pas à dire. C'est. Le meilleur chalet. C'est le meilleur chalet maison qu'on ait eu de notre histoire. Ah bah là oui. Je vais c'est pas le bail là. Doc tu sens il a l'habitude. Doc c'est un mec à spa. Ah moi c'est déjà on est arrivé il a dit ça sent le spa. Direct il y avait l'odeur du traitement de l'eau tu vois ça. C'est la télécommande mon gars. T'es mal. Je recharge mon électricité. Non. Le, pré- Allô, le attends, précieux. Mais attends mais c'est une scène. Je recharge mon électricité. Ah! Oui, j'attends, refais-le à fond. J'ai refait à fond de balle. Je recharge mon électricité statique. Le bruit, ça fait? Oh, ça fait trop mal! Je vais mettre un coup de joue à quelqu'un. Ah! Oh! Aïe! Mais t'as passé pour oui, gros! Je suis sûr qu'on a pu voir un petit truc. Il y a une étincelle! Bah oui, c'est attends, sûr, refais-le, je zoome sur le doigt pour voir si ça fait un. Mec, je te jure, il y a eu une étincelle. Vas-y. Mec, c'est. Mais gros, on a une salle de cinéma. Viens Lucas, viens. Mec. Assieds-toi. Assieds-toi, faut que je te parle. On a une salle de cinéma et qu'est-ce qu'on assieds-toi. Fait assieds-toi. Là où il fait ça. Ouais. Okay. Ouais, assieds-toi là. Donne ta nuque. Assieds-toi. J'ai envie de voir. Assieds-toi. Non, assieds-toi. Pas ton cul, ta nuque. Oui. Mais attends. Vas-y, fais-le. Il va mettre un coup de jus. Oh. Ah. Oh, comment ça fait mal. Et gros, ça perturbe en vrai. Mais pourquoi fallait que je masse. Ah, gros, okay, parce que c'est. Nous, on a une salle de cinéma. Parce que lui est trop petit, en fait. On a une en salle fait, je pensais cinéma. Que ça allait faire lieu de l'électricité. Mais des fois, peu. Ça fait. Hein. Ah, viens, je me mets un coup de jeu à moi-même. Mais tu peux pas. Ça marche. Bah non, le but d'un courant, c'est que. T'es sûr. Bah oui. Mais non, mais c'est pas possible, frère. Si, c'est possible. T'es prêt, coup de jeu à moi-même. J'ai entendu prêt après. Mais non, ça marche pas, le courant, il est en toi, il parcourt. Aïe. Mais mec, c'est pire au pire le bruit en plus. Mec, c'est un peu. Arrête. Attends, fais le faire. Arrête. Attends, mais ça me dit, j'ai envie de le faire moi aussi. Mec, ça fait des vrais. Mais mec, ça fait des vrais joutes, hein. Regardez. On dirait un petit bébé Balouz. À l'aide. On dirait un petit. Aïe, aïe, aïe. Mais putain, mais ça pique de ouf, attends. Oh, oh. Oh, mec, là, t'as plein d'énergie. Écoute. Le vortex. Mec là t'as plein d'énergie. Aïe aïe.
Mais ça fait une vraie sensation. Ouais, c'est abusé. Wesh, quel bac. Gros, on a une salle de cinéma, nous on fait ça. Oh, vas-y. Pide. Pidi. Pidi, viens voir. T'inquiète, ça va aller. Regarde, Pide, cinéma. Regarde. Arrête, attends, chaton. Ah. Ça l'a pas fait fort en vrai. Ça va? Ouais, ça va. Regarde, il y a un cinéma. Les gars, j'abandonne mon siège massant, regardez. Oh. J'en sais rien. Oh, franchement, une salle comme ça, frère. Oh, bon, on est carrément allongé, frère. Mec, mais gros, on va kiffer. Ça va être les 7 meilleurs jours de notre vie. Ouais. Ça va être incroyable. Ça va être un bail, gros. Ah là. Alors? Là, on est bien. Là. Il est bien? Il fait pas de lumière? Mec, il est incroyable. Mais attends, ça démousse, hein. Ouais. Mais il est vieillot, hein. Et on a testé le cinéma, ça fait de malade. Ah ouais? Ah ouais, sale. Bonsoir. C'est ici la soirée? C'est complètement ici, c'est là-bas. C'est là-bas. Là, tu passes la veille vitrée et. Regarde ton mec, look. On a l'impression qu'on est des présidents, frère. Mec, j'avoue. Quel bail. T'as un look, il est. T'as testé l'eau? L'eau de la piscine, non. Et à ce qui paraît, elle est froide. Non, elle est bonne, frère. Mais je sais pas, c'est toi qui m'a dit ça. Oh bah. Ouais. C'est un gars comme ça, toi. Elle est chaude et froide à la fois. C'est pas normal, ça. Attends, je vais plonger. Ouh. Tu fais des bruits de dog. Mec, il y a la terre, il y a une piscine, frère. Ouh. Vas-y, il monte. Ah bah, elle est grave froide. Ouais, elle est incroyable. Bah, attention, elle crie, gros. Bon, Val, la piscine, c'était carré. Je crois que ça marche comment. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mais fais gaffe, gros, ça aurait pu être brûlant. Hein. Bah ouais, mais j'ai mis ma main, mais... Wesh, Dob. Gros, on avait besoin de toi tout à l'heure pour la musique. Comment on allume ça, tu crois, Dob? Mais comment, ouais, tu sais comment on fait? Bah oui. J'ai bien envie de... Il nous a dit, il savait, hein. Bah non, mais c'est juste... T'as dit que tu savais, maintenant t'assumes. On a besoin de chaleur. Si je te l'allume... Wesh, Dobby, il a sorti son manuel, les gars. Ça va, professeur Dobby? Mais gros, attends, mais c'est-à-dire qu'on peut se claquer là? Ouais, ça chauffe là, Dom. Mais plus t'es haut, plus c'est chaud, je crois. Ah, c'est l'inverse. Bah non, c'est l'inverse. Ah, mais là, faut attendre. Ça chauffe là? Ouais, mais faut attendre que les pierres chauffent. Frère, venez, je vous explique, ça chauffe. Regardez comment je suis posé là. Les gars, venez, je vous explique. Eh, est-ce que t'es posé dans le club? Normal. Je vous explique ou pas comme ça? Ouais, vas-y. Ouais, c'est là-bas. Et là, c'est le hammam et là, c'est le sauna. Si tu... Okay. Bah ouais, souviens-toi au Canada. Là, on avait mis de la neige. Là, c'est allumé. Ah, c'est vrai. Là, c'est allumé. Là, c'est éteint. Là, c'est allumé du coup. Là, c'est... ça, c'est le sauna. Là, il est allumé. Ok. Là, si vous mettez de la flotte sur les cailloux, par contre, je pense qu'il faut pas mettre de l'eau de la piscine. Mais ouais. Non, mais non. Par contre, il y a un problème dans la villa. Hein. C'est quoi? Il y a pas le wifi dans le sous-sol. Non. Donc là, je suis dans ma piscine. Je peux même pas regarder la dernière story Instagram de le vrai bouseux. Et du coup, ça, c'est un hammam. Ouais, c'est ça le hammam. Ça va être épique, gros. Ah, t'as vu ça, c'est rouge. J'ai jamais fait un truc comme ça. Bah, non. Bah, j'ai fait au Canada, mais tu sais, c'était une petite truc, tu vois. Ah, ouais, ça sent brûlé, gros. Oh là. Vas-y, mets la première louche. Je mets la louche. Mets la louche. Oh. Tu t'es fait quoi? Il s'est baissé pour poser son pelle. Il s'est pris la vitre en pensant qu'il y avait rien, gros. Oh putain, ça commence déjà à chauffer de ouf, en vrai. Oh, c'est chaud, gros. Attends, je mets une vraie louche. Vas-y, mets une vraie louche. J'ai déjà chaud. J'ai déjà trop chaud, gros. Ça déglingue en vrai, hein. Mais, oh putain, par contre. Non mais vous savez. Oh, j'ai failli faire une terrible erreur. Ton téléphone il a failli tomber là-dedans, gros. Oh, putain, mais ton téléphone est tombé là-dedans. Les gars, vous vous rendez compte que là il est pas allumé. Mais Château, quand il est allumé, il y a de la buée partout. Tu peux rester avec ça, hein. Mais vous avez... Oh, comment il fait froid ici du coup. Mais on vous voit même plus. Mich. Oh, bah voilà les gars, mettez un like. Mais je suis mort. Les gars, on avait plus de nouvelles de Bouzy. Il est là, peinard, dans son petit coin. Je suis trop mis ici, les gars. Gros, on a testé le sauna là. Alors? Ouais, il fait trop chaud, frère. Ah ouais? Ah ouais, il fait trop chaud. Tu peux enlever des cailloux? Bah non, tu peux pas enlever des cailloux, c'est pas le but. Ah ouais? Mais pour avoir moins chaud. Bah, tu vas pas dedans. Tu sors plutôt. Hello. Je vais aller voir si on les voit eux dans le jacuzzi d'ici. Oh, il fait froid! Eh, hey, envoie-moi une serviette! Wesh! Wesh, l'artiste! Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Eh, gros! Eh, si t'as froid, frère, va dans le sauna! Ah ouais? Ouais, sale. Mais il me faut une serviette pour sortir, je suis tout nu là. Mais non, mais sors et cours. Dis-moi pas qu'il est encore dans le sauna lui. Les gars, ça fait littéralement 30 minutes que je suis parti. Hein. Il est encore là, wesh. Il est encore là, wesh. Attends, mais il doit faire 1 million de degrés à l'intérieur. Ah ! Pardon ! Ferme la porte. Pardon ! Pardon ! Attends, wesh ! On voit plus rien là, gars. Mec, c'est à 50 degrés presque. Mais gros, mais quoi? Mais t'as mais t'es là, mais t'as de la vie de ma mère, t'es un malade. Non, là, je te jure, Michou, je te jure sur la ferme tête. La porte. Je te jure sur la tête de Pidi, je fais pas la comédie.
Mais tu vas tomber malade, Rodin. Non, mais je suis bien là. Mais wesh. Moi, je tiens littéralement pas 5 minutes dedans. Mais t'es un zinzin. Mais t'es un fou, gros. Mais il a un pet de votre pote là, il a un pet au casque. Eh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir dans le sauna de Michou pour voir si je suis pas dingue? Mais j'essaie d'y aller moi, je peux pas. C'est un malade, gros. Ouais, mais il fait 50, je crois. Viens, 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 Inox. On peut pas me la faire celle-là, tu vois. Vas-y, viens, on prend l'ascenseur, gros, profite. Mais mec, mais. Tu sais que ça va plus vite à pied. Je commence à m'y faire en fait. Hein. T'es un gros flemmard. Ouais, hein. bah c'est ça en fait, tu vois. Vas-y, moins un. Mec, je suis un connaisseur. Tout type de sauna, hein. J'en ai fait pas mal. Les pierres, il y avait différentes pierres. T'as de la bedrock, etc. Il y a même de l'obsidienne des fois. D'ailleurs, le caillou là qui est dans le jardin, ouais. On lui a donné un surnom. C'est comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre. Étage. C'est éclaté. Moi, je veux faire un bonhomme de neige. Mais moi, j'ai envie que tu fasses un freestyle avec Pierre. En plus, c'est trop facile. Bah ouais. Oh mec, hier, mais hier. Gros, je vais t'écrire un freestyle, mais même Wesley, il va avoir peur. Va dans le sauna, frère. T'as l'impression que c'est inoffensif, hein. Mais je te jure, ça abuse du bail. Mais vous êtes sérieux? Non, t'abuses du bail. Mais rien que là, j'ouvre la porte. Merci, merci. Mais mec, tu peux large rester, gros. Mais tu fais le mec, regardez-le. Et là... Oh! Michou! Viens test! Viens test à côté! Il a allumé. Mais gros, t'as l'impression que c'est la chicha à l'intérieur, gros. What? Oh, c'est quoi ça? Oh, ça pue! Eh, c'est Aquaman! Ouais! Et tu dans le bat, on fait Anna, quoi! Attendez! Tu... Oh, ça pue! Ça pue! Ça pue! Attends, je connais cette odeur, Attendez, mon doigt! Eh, gros, attends! J'ai l'impression que je te mets trop. Eh, je connais cette odeur! Il y a quelqu'un, il a mis trop d'huile essentielle là! Ah, mais c'est l'huile essentielle! Ben oui! Ma daronne, elle en a! Non, mais là, c'est trop! Putain. Oh putain, je suis plus malade. Mais gros, tu sais que tu fais ça, t'es plus malade. Ça débouche le nez, hein. Ouais. Pour de vrai. Bah, je pense que je vais le faire, mais là, il fait trop chaud. Mais en vrai, t'abuses du pas. Mais attends, mais frère, c'est la chicha, gros. Le hammam, c'est quelque chose, hein, putain. Frère, ça sent, je te jure, ça sent le. La pharmacie. Alors, pour l'ascenseur, hein. Sans modération, là. Où tu fais des petits pieds, là. Mec, tu sais, il y en a, ils vont faire des trucs bizarres en fait, sur mes pieds. C'est pour ça que je fais ça. Eh, Dobby. Eh, gros, c'est la chicha, en bas, hein. Dans le truc, t'as le hammam, gros. On se voit même plus à un mètre. Ouais. Mais où est-ce qu'il est? Mais t'as vu comment ça sent? Ouais, ça sent... Ouais. T'as l'impression que t'as la pharmacie, frère. Bon, bah ça va être l'heure de se mettre des raclés, mon gars. D'ailleurs, les gars, là, c'est le proprio. C'est pour la vie, hein. J'espère que vous kiffez ma demeure. Proprio, gros. Bienvenue dans ma demeure. Non, je dis ça parce que... En gros, on a publié une photo de nous tous. Enfin, Bouzy a publié une photo de nous tous sur Insta. Et du coup, bah, Lucas... qui fait les montages, etc. Et vous connaissez à travers Among Us. Il était sur la photo, il y a des gens, ils étaient en mode « C'est qui lui, c'est Proprio ?» Du coup, on va l'appeler le Proprio. Voilà, c'est son surnom. Regarde, il y a bien une dégaine de Proprio, là, en vrai. Normalement, t'es à ma place, là. Bon, allez. Ah, mais il y a déjà... Mais c'est incroyable! Mais gros, hey, sur la télé, c'est incroyable, hein. Gros, oh, quand je vais regarder Mugiwala Luffy, là. Gros, là, la vie d'homme, c'est la vie d'Aloca. C'est la vie d'Aloca des potos. Ouais, faudrait qu'il ferme sa gueule. Qui? Ah voilà, parfait. Oh, oh non. Incroyable. Ça va, Doc? Au calme. Tu crois le gagnant, Doc? Je suis au top, là. Allez, bienvenue. On est au top, là. Là, on est au top, là. Premier match. Doc contre Inox. Attends, gros, tu me gênes. Ah oui, merde. Je vais grailler un petit peu, moi. Ah, putain. Eh, moi, j'ai la crève, les gars. Ça rend fou, sérieux. J'espère que ça va vite passer, hein. Michou, putain, t'es vraiment un enfoiré. Bon, on s'est pas cassé la tête, du coup. Bah c'est des pâtes sauce fromage. Ouais. Bah franchement cette petite sauce fromagère Pidi, elle est validax. Pourquoi la lumière elle s'est éteinte? Tu l'as cassé? J'ai mis un coup dedans. Je sais pas. Regarde lui il est en peignoir, je suis mort. On va se balader tous les jours en peignoir. Mais du coup t'as mis quoi dans la sauce Pidi? J'ai mis crème fraîche, gruyère, morbier et reblochon. Ah mais c'est pour ça que c'est bon. Ça valide ma petite bouse. Encore ce moyen dans cette caméra. Tu l'as dégommé en deux bouchées. Bah ouais gros hein. Je crois que tu t'habitues hein. Oh, et ce coin là les gars, il est abusé. Ce coin là c'est mon coin préféré. Moi je vais aller me reposer tranquillement pour être en forme demain. Parce que là j'ai usé beaucoup d'énergie. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous hype ce petit séjour les gars. Ça risque d'être lourd putain, on a tellement d'idées, on a tellement de trucs à faire dans cette putain de ce putain de chalet. En tout cas si vous kiffez n'hésitez pas et n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à demain. Zbrrr.